On va parler également de l'opération que Boyd a menée dans le cadre des bouquets. Qui ça, inspection générale, apprend qui a mené à l'opération ça? Généralement, fête Notre-Dame du Perpétuel Secours, il a commencé depuis fin septembre, zone 27-28, pour le finir 1er octobre. Là, nous avons le cadre des bouquets. Pendant le déroulement, activité au l'emploi de bouquet gagné en patrouille Boyd qui t'a appelé assurer sécurité dans zone non mais pendant ce temps gagné un camarade qui était job dans tête lui gagné un policier qui t'a coupé certaines tresses dans cheveux monsieur et monsieur dit comme ça que pour chaque tresse cheveux qui coupé doit gagner un policier qui tombé par la suite vin gagner policier Watson Jean qui habitait dans zone là alors que monsieur t'a sorti la banque à madame ni à bord d'une motocyclette et ben devant la caille gagner moun armé sous moto qui t'a tendu ni et qui intercepté monsieur yo balayel ensuite yo assassiné nous apprenons que gagne trois armes qui tirées sous monsieur deux armes que Monsieur Soumoto te gagné plus Zampal t'a tiré le tout. Ça a passé 12 octobre. Et bien, suite à l'assassinat policier, ça a gagné une opération que la direction départementale a été. Et en fait, tu vois, alors tu vois, une équipe Boyd a un renfort à commissaire principal, quoi de bouquet. Trois équipes. Donc il y a 25 unités, alors 25 policiers qui étaient divisés en trois équipes qui étaient allés en renfort à commissaire. Donc, pendant le déroulement de l'opération Sayo, monsieur a arrêté 9 personnes. Et 9 personnes, ça a dit que nous auditionnons déjà, alors l'inspection générale auditionnait, dont 6 dans le bouquet, il y a 3 filles qui sont en prison civile en cabaret. Donc, nous auditionnons déjà. Donc, nous disons qu'il y a 9 arrestations qui ont été faites. Nous constatons qu'il y a un monde qui mourit. Nous n'avons pas lié avec l'opération policière. Nous disons qu'il y a un cas qui a boulé au nombre de 4. Il y a une machine avec une motocyclette qui a incendié. Les familles victimes ont accusé Boyd comme étant responsable de l'action. Maintenant, puisque il y a plainte contre les policiers, l'inspection générale l'ouvre immédiatement en enquête pour capable déterminer, pour capable fixer les responsabilités. Eh bien, dans l'enquête que nous l'ouvrons, nous avons déjà fait un ensemble d'actes, dont 25 policiers qui étaient composés équipe blanc, ils ont auditionné. Le commissaire de la Croix des Bouquets, il a été auditionné 3 fois. Le commissaire de la Boyd, il a été lui aussi auditionné 2 fois. Nous avons 9 personnes qui ont été arrêtées. Nous entendons, comme nous dit déjà, dont 6 hommes et 3 femmes. Nous avons auditionné 7 témoins. Nous avons auditionné le responsable du commissaire de Borepo. Nous avons auditionné tout le PNH Croix des Bouquets. Et nous avons fait tout 4 enquêtes de terrain. Dans le cadre du dossier, ça nous avons pris 3 mesures d'isolement. Donc, mesures d'isolement, ça c'est contre 3 chefs d'équipe qui étaient constitués et qui étaient constitués une unité Boyd qui était allée l'autre bois. Donc, mesures d'isolement, ça a été transformé en mesures conservatoires puisque l'enquête n'a pas avancé, à grand pas. Donc, ils ont transformé en mesures conservatoires et division qui a traité dossier 1, lit. Pour remettre l'enquête le plus tôt possible. Inspection générale, les surtout là pour garder faute policier. Je pense que la question, combien de monde qui a mouru, ça c'est la police judiciaire ou bien la justice. Mais par contre, nous là pour faire lumière sous participation ou implication policier dans l'acte. Mais là, vous avez accusé un policier qui a tiré lui-même plusieurs personnes et que le policier s'est enfui. Il s'agit de Philidor Glissen,
Donc n'a cherché, il y avait de recherche contre lui. Donc c'est l'état de confirmer parce que mon frère tout malheureusement qui mourit dans les frères qui mourit dans gravine dans opération ça qui c'est Philidor Guy Evans. Donc c'est peut-être en fait question de sentiment, moment de folie. OK, moment de folie. Donc derrière ouais, frère mourit, c'est à peut-être raison qui fait ça, mais effectivement donc a circulé à Philidor Gilson qui est frère qui relève Philidor Evans qui mourit dans l'opération.